c'est juste du n'importe quoi. Coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour vlogger, je dirais. Voilà, donc c'est mon premier vlog. Je sais pas trop comment me débrouiller pour le filmer, mais j'ai eu envie de faire quelque chose d'autre. J'ai envie de vous faire entrer un tout petit peu dans mon univers familial. Là, je vais accompagner ma fille à une petite soirée, voilà, pour justement la gymnastique. Elle fait la gymnastique, la danse, tout ça. Donc on va aller les regarder. Il y a un petit concours, il y a un petit repas, il y a plein de choses à découvrir. Et donc je vais me filmer un tout petit peu, vous allez voir comment je fais ça vite fait. Là je vais à une soirée d'enfants, de parents, donc c'est pas un truc glamour, donc ça sera vraiment pas à pas. Voilà, on va s'amuser ensemble. Voilà, je vais commencer par le maquillage, faire quelque chose d'assez léger, voilà, mais quand même visible. Je commence d'abord par hydrater mes lèvres avec ce baume de Palmer's qui est juste trop bien, je l'adore. Voilà, donc j'hydrate mes lèvres et puis je vais faire mes sourcils. Un peu, je me chasse sur les paupières, matifier en apportant de la lumière. Avec ma palette de Black Opal, je vais venir tout simplement creuser un tout petit peu ma paupière, juste quand même pour apporter le contraste, un peu de définition. Il y a des petits tons rouges. Déjà là, je sens qu'il y a, voilà, ça a déjà changé mon regard. Mon regard fait un peu plus habillé, il est un peu plus sophistiqué, quelque chose de glamour. Moi j'adore le glamour, moi j'adore, en fait moi je suis quelqu'un où je me maquille pas. Quand vous me voyez, j'ai fait mes courses, franchement vous allez me voir sans maquillage ou maquillée. Je fais jamais des à peu près, je suis jamais du genre à faire genre je me suis fait les sourcils sans faire le teint. Non, moi je fais de la totale, je fais les sourcils, je fais le teint, je fais les sourcils. Voilà. Quand on n'a pas le temps, c'est mieux de laisser passer, sinon après ça donne un résultat. Oh là là, j'ai des moments c'est mieux d'être naturel. J'essaie de faire vite là parce que je sens que mes enfants speed. Aujourd'hui on va sortir tout seul, donc on sera pas avec mon mari. Je suis souvent habituée à sortir toute seule. C'est ça la vie de plusieurs mamans aujourd'hui. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors les filles, je mets la Milk of Magnesia. C'est une base de teint, je pense que vous la connaissez toutes, qui a été conçue à la base pour, voilà, pour les maux d'estomac, mais qui fonctionne à merveille. Franchement, ça marche vraiment mieux que plusieurs bases que j'ai pu acheter à 48 €. Vous connaissez comment les bases sont chères, donc la Milk of Magnesia, elle marche trop, mais après, elle provoque plein de boutons à certaines personnes après. Elle assèche la peau, donc c'est vraiment pas un truc à mettre tous les jours. Donc là, je vais laisser sécher. Faire un peu vite parce que là, les enfants sont prêts et ils sont en train de crier après moi. Faut qu'on arrive au spectacle en retard. J'aime trop ce visage là, quoi. C'est bien, hein? Si on pouvait se prendre comme ça des moments, ça ressemble à nos masques africains, comme dans les Karachika. C'est juste trop beau, j'aime trop. Les copines de mes enfants sont arrivées, je les entends là. Elles sont en train de m'attendre, mon Dieu. Je viens de rendre tout le bordel là. À mon retour, et je déteste ça, quoi. Je déteste ranger autour. Moi, vraiment, quand je sors, je range tout, je fais mon lit, je range tout comme ça quand je rentre chez moi. Tout est propre. Exemple le visage, parce que moi franchement mes grosses joues là, que je creuse un peu pour faut pas abuser, hein. Oui, mais... moi franchement j'aime me moquer de moi même voilà, j'aime me moquer de moi même je préfère me moquer de moi que de me moquer des autres personnes, donc je suis dans l'autodérision, je me moque de moi même en même temps je suis quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Je fais de mes points faibles, mes points forts et... Voilà.
Voilà, commencez à mettre vos blousons dans là. C'est juste pas possible, quoi. Franchement. Il est quelle heure? 18h. Oui. Mais alors, ça va? On avait dit maximum 18h30. Maman, s'il te plaît, on s'en fout des boucles devant. Habille-toi. Bon, mais maquille, je vais prendre du temps. Toi aussi, change de téléphone. Viens prendre le téléphone déjà, Christelle, mets dans mon sac. Petite senteur, comme d'habitude. Avant de mettre mes vêtements, je mets toujours mes parfums préférés. Gel de Thierry Mugler, il est juste trop trop bien. Il est frais, il est épicé, j'adore. Voilà, voilou. Donc, suivez-moi. Bon, mes enfants sont partis parce que, voilà, ils sont démontés trop en retard. Ouh, mon sac est parti. Bon voilà, là on est arrivé à la salle de gymnastique, ma fille est en train de faire déjà son sport, mais voilà, donc j'essaie de me filmer, donc c'est mon premier vlog, voilà. Donc on est à la salle de sport, franchement mes cheveux, l'humidité, voilà, c'est ma nouvelle coiffure, c'est juste du n'importe quoi. Voilà, donc je vais repartir dans la salle pour filmer ma fille. Je me trouve dans la salle où les enfants déposent leurs vêtements. Ah, ça c'est ma Cristal. Moi, laisse-toi partir là. Bon, d'accord, vas-y. Ah si, je demande de faire des vidéos en public, comme c'est habituel. On est arrivé au gymnase, ça a déjà commencé. Toutes les affaires, donc voilà. La lumière, elle est très très mauvaise. Là, ma fille est déjà, je vais la filmer bientôt. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Passé, c'était vraiment bien, c'était excitant, ça donnait juste envie de faire comme ça, mais bon, sinon on est arrivé à temps, ça s'est bien passé, on s'est amusé, voilà, et on est entré très très vite. Enfin, on n'est pas parti en voiture, on est allé à pied parce qu'il y avait ma voisine et ses trois enfants, plus une autre copine, donc on était près de 12. Je pensais taper une bonne vingtaine de minutes de marche parce qu'on était avec nos enfants. Donc mon dernier qui a 4 ans et demi, son dernier qui a 6 ans, et comme ils marchent comme des, voilà, comme des tortues, donc vous imaginez. Voilà, je vais vous faire partager un peu des moments à moi. Et puis, ben, de temps en temps, des vlogs avec des copines, en boîte, en sortie, au resto, on les fait. Tout à l'heure, j'étais un tout petit peu pressée. J'ai pas eu le temps de vous montrer mon maquillage, ma coiffure. Voilà, donc c'est cette nouvelle laisse wig, cette laisse frontale que j'ai. Que j'ai customisée moi-même, que j'ai fabriquée, customisée, teintée. Dommage que je ne l'ai pas... filmer, mais de toute manière je suis en train de vous préparer une nouvelle vidéo. Je vais vraiment vous montrer comment je fais ma laisse wig, comment je la customise, comment je la teinte. Elle me donne un teint un peu pâle, je trouve, voilà, un peu mon fils m'a dit, maman, c'est comme si voilà, c'est comme si tu avais la même couleur, quoi. J'aime pas trop, on n'arrive pas trop à remarquer ta couleur de... Ah non, non, c'est pas mon fils,
c'est Cristal, c'est ma fille, c'est ma deuxième fille. C'est elle qui m'a dit, maman, j'aime pas trop parce que c'est comme si c'était la même couleur en ton teint et puis la perruque. Mais bon, moi, j'aime bien, je sais pas, moi, j'aime bien. Sachant, c'est vrai que c'est un tout petit peu osé de sortir comme ça. Mais bon, il y a pire, hein, il y a des blonds vraiment, vraiment, franchement, j'aime trop. Voilà, donc je l'ai porté comme ça. Voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. De toute manière, je vous ferai des vidéos avec cette coiffure-là. Vous allez me voir dans les prochaines vidéos avec cette nouvelle tête. Mais j'espère qu'elle vous plaît. C'est vraiment des jolies mèches. Après, c'est vrai que voilà, c'est un peu audacieux de porter des couleurs comme ça. Ça va le teint, quoi. Il faut vraiment bien travailler son maquillage, bien travailler son style. Voilà, quoi, parce que ça bouffe le teint. Et la couleur, elle est très proche de ma carnation. Ce qui fait que, entre mon teint et puis la chevelure, on ne voit plus trop la différence. Mais bon, voilà, ça me donne une sorte d'aura. Moi, j'aime bien. Donc, vous êtes nombreux, nombreuses à me demander un tout petit peu. Parle-nous de toi. Voilà, moi, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, j'adore m'amuser. J'adore prendre soin de moi, de mes enfants, de ma famille, de mon mari, de mon petit chéri. Voilà, j'aime pas trop rester dans le cadre genre femme au foyer. Comme on dit chez nous, rideau andako, dans le genre où t'es au foyer, mais t'es comme un rideau. Ça veut dire t'es juste la représentante de la femme mariée et t'es là, quoi. Tu vis pour ton homme. Non, moi je vis pour mon homme, je vis pour mes enfants, je vis pour moi. Et puis voilà, je m'amuse, je prends des moments pour moi, je prends le temps de me faire plaisir. Et j'ai eu vraiment envie de vous partager ça à vous. J'ai voilà, me changer, me démaquiller. Je vous ai pas montré, j'aurais voulu vous montrer. Voilà, ce sac que j'ai, il est trop beau. C'est un sac que j'aime porter. Voilà. Ce sont les genres de sacs que j'aime porter en hiver. Franchement, la matière, elle est juste trop belle. Les finitions sont parfaites. Ce sont des sacs un peu genre Texan. Il y a une grande bride. Et puis, il y avait aussi une petite bride, voilà, que j'enlève. Voilà. Et à l'intérieur, comme d'habitude, j'ai ma petite trousse que j'emmène partout. Et surtout, je vais vous montrer quelque chose d'important pour moi. Ce sont mes petites lingettes. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Voilà, ici, c'est celle de chez Kiko. Ce sont des lingettes que j'emporte partout. Voilà. Dès que je sors, que je suis maquillée. Voilà, dès que je vois qu'il y a un petit peu de sébum qui apparaît sur mon visage, voilà. Je tapote et après il y a mon petit fond de teint en poudre pour matifier et surtout il y a ma petite crème de main. En fait, ce sont des petits, vous voyez, des petits produits qu'on donne dans des hôtels. Ah oui, vous allez me dire, Flora, tu es des gens à emporter des savonnettes dans des hôtels. Franchement, je suis du genre, quand je vais dans les hôtels, tout ce qui est échantillon, savon, même au sang, franchement, moi je les prends parce que moi j'ai payé mon argent. Je prends pas les serviettes parce que franchement les serviettes des hôtels je n'aime pas du tout, j'ai pas confiance, mais en tout cas ça je prends toujours parce que surtout j'utilise les petits boîtiers comme ça pour transporter mes crèmes de main parce qu'en général les crèmes de main elles se mettent dans des petits tubes et moi franchement souvent ça prend de la place alors qu'avec ça c'est juste trop bien. Puis je voulais vous montrer un tout petit peu ma petite montre aussi que j'aime beaucoup, c'est l'une des montres que je préfère. Ce que j'aime dans cette montre, c'est qu'elle est, voilà, elle est à la fois chromée et dorée. Voilà, donc c'est un petit côté masculin, féminin que j'aime trop. Voilà, il y a cette symbiose, quoi. C'est quelque chose d'assez rare. En général, on voit des montres dorées, voilà, même moi j'en ai dorées, tout et tout, comme chez tout le monde. Mais ici, on a carrément ce côté un peu masculinisé, voilà, un peu masculin. Voilà, et puis avec le côté doré, donc ça donne un petit panaché. Voilà. Puis, comme d'habitude, donc, mon petit, surtout mes clés de la voiture avec ce pompon-là. J'ai toujours ce pompon-là. Normalement, j'ai la photo de mon fils qui est accroché là, mais voilà, c'est tombé. Donc, on va me réparer ça chez les enfants. La photo, elle est sortie. Mais j'ai toujours ce pompon, ce qui fait que quand je dépose ça dans le sac, quand j'arrive à la maison,
et que je suis super épuisée. Donc quand je joue comme ça, la première chose que je fais, je mets ma main à l'intérieur et je fouille. Et là, comme il y a le petit pompon, je retrouve tout de suite parce qu'il y a ça. Donc franchement, c'est vraiment une belle idée de mettre des choses comme ça. Toutes mes journées, acheter plus gros parce que c'est vrai que celui-là, quand j'ai vraiment mon gros fourre-tout, voilà, quand je fais des courses, j'ai pas ça. Voilà quoi. Donc, je tenais aussi à vous montrer ce foulard sympa que j'ai porté. Il m'a tenu chaud, il est trop bien. Chez Monoprix, il faut préparer au minimum 40 € quoi. Et là, je l'ai eu. Et je suis juste trop contente parce que franchement, ça tient vraiment chaud quoi. C'est juste trop bien. Waouh! Ça sent bien. Et puis j'adore, ça sent bon quoi. J'aime bien parfumer mes foulards avec, voilà, avec un parfum. Comme ça, quand je sors ça, il y a une bonne odeur. Même en sac, je parfume toujours mes sacs. Comme je vous disais, en ce moment, j'utilise ce parfum-là, Angel, de chez Thierry Mugler. J'aime beaucoup, même si mon préféré, c'est voilà, Organza de Givenchy. Mais voilà. Donc, ça sent trop bon. Voilà, bon, c'est dommage, je ne sentais pas quoi, mais je vous assure, ça sent trop bon. Voilà. À l'époque, quand je n'étais pas youtubeuse, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elles ont les filles à parler toutes seules, comment elles se sentent. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, j'arrive à comprendre parce que j'ai l'impression que je vous parle à vous, mais c'est comme si je parlais à une copine en face de moi, quoi. C'est comme si je parlais à ma meilleure amie. Un tout petit peu de parfum. Dès que je l'ouvre, il y a cette. Voilà. Toujours voilà, prendre soin de moi, toujours je ne néglige pas, voilà. Bon, ce n'est pas parce que voilà que je suis mariée, que voilà, que tout est acquis. Voilà, moi j'ai toujours envie de. J'ai toujours envie de séduire, quoi. J'ai toujours envie. Pas seulement mon mari, quoi. Moi j'aime bien aussi quand je vais en route, que je vois. Voilà, je vois des regards admirateurs autour de moi. Quand je l'ai, j'aime bien. Voilà. Après, faut pas qu'on m'aurait entendu cela. Oh, de toute manière, il n'y a pas de souci. Hein. Il regarde toutes mes vidéos, il regarde, c'est mon premier fan. Il a confiance en sa femme, il, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc je peux vraiment en parler. J'approche des 5000 et pour les 5000, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale. Voilà, en direct. Voilà. Donc je vais faire mon premier direct. En tout cas, j'espère, si Dieu le veut bien, mon roi, mon Dieu. S'il veut bien, je ferai une vidéo en direct quand je vais atteindre les 5000 abonnés. Franchement, je suis trop contente, Franchement, je bénis le Seigneur tous les jours parce que c'est pas facile. Je vous dis merci. Donc, je suis tellement contente que j'ai eu envie de vous faire ce vlog, quoi. J'ai eu envie de partager des moments comme ça avec vous. Je vous dis merci à vous. Franchement, je peux même pas citer les noms, mais de toute manière, je réserve ça pour la vidéo que je ferai en direct. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes, à les faire pleuvoir, ça me fait plaisir. Et ça me fait dire que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez surtout pas à voter quand je laisse des petits liens comme ça sur la fiche d'infos, justement pour savoir ce genre de vidéo que vous aimez. Alors, on a plein de choses à partager. Donc n'hésitez pas de regarder les vidéos, de commenter, de vous abonner, de liker, et puis de me dire vraiment ce que vous aimez. Moi, j'étais super contente de réaliser ce premier vlog. Voilà, je sais qu'il n'était pas parfait. Voilà, de toute manière, rien n'est parfait sur cette terre. Mais voilà, c'était vraiment juste pour vous faire partager ce moment avec moi, avec mes enfants, avec ma petite Christina qui est aussi sur YouTube. De toute manière, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Comme je dis, il n'y a pas une meilleure personne qui peut faire de la pub qu'une maman pour sa fille. Donc franchement, si je vous saoule un tout petit peu en vous disant allez regarder ma fille, tout simplement parce que je suis maman et je sais comment elle adore YouTube. C'est elle qui m'a encouragée à être sur YouTube. C'est elle qui m'a dit maman vas-y, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de lui remettre l'ascenseur, voilà, de l'aider si je peux, voilà, pour qu'elle ait plus d'abonnés, pour qu'elle se fasse plus connaître. Et de toute manière moi aussi à travers elle j'arrive à avoir quelques abonnés, donc c'est vraiment vice versa. Et puis c'est juste ça, donc allez la voir, allez voir Crystal Océane, je vais mettre le lien là, je sais pas trop, je pense que c'est là, voilà, allez vous abonner, la soutenir. Je laisse aussi toujours les liens de ses vidéos en barre d'infos. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Je vous ai trop saoulé, je pense. Maintenant, je vais me mettre à me démaquiller pour la soirée. Voilà, je vais enlever tout ça. Je vous fais plein de gros en espérant vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Bye!